Bonne provision. Ah, n'a touché quoi? N'a touché pension. Ok, ok. Excusez, papa. Tu viens de toucher ta pension de retraite. Ah oui. Nde, bon, vous avez moins de choses au bénéfice chérie, alimenter vos provisions. Papa, Nazar retraité le coup là, yo. Ok. Bon, tu as touché combien? Bon, gars, il a touché 200 000 francs à l'EPAM. Moi, j'ai touché 500 000 francs congolais. Parce que na cotisaki, na salaire de base, peine à prime. Donc, na salaire cotisation complémentaire. Mais tout me valait. Ah, deux têtes. Papa, injustice. Hein? Réclamation. Ok. Justement, Ezali, régime complémentaire de sécurité sociale. Régime complémentaire? Oui. Oui, et puis, généralement, un agent public a cotisé sur base et a salaire. Vous allez mouquer par rapport à la prime. Or, le problème avec ce système, c'est que, une fois que vous une activité, vous avez bien. Mais ceux qui continuent la retraite, l'avantage, c'est Katani, prime et Katani. D'où, au quoi vous pouvez vivre uniquement à moi et à la salaire. Pas mbaté. Ceux qui ont cotisé sur base, il y a salaire de base. Eh bien, Natambo y a pension. Pension na yo ekolandisa makaka enge bene na salaire de base au banda ki kozwa. Voilà! Si quoi mbomo ya kosala ba provision na banane ko uta wapi? Yango wana, pour na ko vivre bien Natambo ya retraite, il y a nécessité pour les agents de se faire couvrir de leur prime également. Ah, mbate. Une fois vif à vie retraite, à quoi bénéficier la retraite de base, l'andissement à salaire de base, mais la retraite complémentaire, l'andissement à prime naïe, ndeyangoana, régime de retraite complémentaire. Ah, si je comprends bien, et ça le faut la double brassard, sauf qui au cotisant qui kaka na salaire ya pamba, na tamu ya retraite, bon mouke. Voilà. Sauf qui au cotisant qui na salaire, na prime, na tamu ya retraite, Panfranc a yubelé. Voilà. Ah, pension complémentaire. Et Keba, ma prime où est-ce concerné na régime complémentaire ya Sensap, est-ce kaka ma prime permanente na ma prime de corps. Ah, au comprendre pourquoi Nazan a sourire. Ah, pension complémentaire. Maman, papa, quoi ça va? Vous allez sur la jumeau ma passion. Car oui, malé, on a bandoumba, baquet. Au cas où le baquet. Et comme une ligne, attends, yo moko. Passion, les colonies sont comme Sami. Les locaux, la pisanga, ils ne parlent pas de la rambouana. Sogite, j'ai plus de bagages dans ce qui est ma chine. Moudi, mon passion, c'est la fin de l'ingouana. Au coup, mon maman, pas un bain. Il ne s'en mouille. Oui, aux alentours. Pour le plus pension. Papa, Azalaka pensionné à 500. Mais sans années, on Sami. Et pourtant, tu as un Azalaka comme ça. Mon soleil est comme ça. N'a pas pris mes kilikili. Maman, sauf que Azalaka me tout me balayé. Azalaka a raison. Beaucoup de maillé, pamba. Pamba. Mais tout me balayé. C'est un peu comme ça. Dites-le, maman, mes colons sont comme ça. Sauf que tu as une activité. Au cotisant qui kaka na salaire ya pamba na tango retraite tala kambom mais tango zan activité soko cotisant qui na salaire na prime na tango ya retraite tala kambom ya ngoy babengi pension complémentaire ngana uti ko kota classe pour net leçon à tirer donc cotiser na salaire pe na prime pour na tango ya retraite. Donc, soit pension complémentaire. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 4011. Mbote Nabino, Balandia Bosolo Télévision et Sengwezali Tomolani Solelo, par la grâce du Seigneur.
Merci pour la confiance, pour la fidélité. Oyo bozole mbate mikolonyon so bozu mokano ya koyoka maesangwa koya koloba misa linga leleki misa ya français na batebele kimia na babota na bino. To bandi programme na retard effectivement parce que na nosa kibino uta mokolo ya lobby ke lelo na tongo esengela kina banda na bor na onatra esengela kina banda na onatra pona kende kotala une fois makambo na verifiaka na ndenge ya kubata ma makambo ya ba train to lo ba chemin de fer train eza kotambola na Congo penzate to mandaki enquête moko une fois esela kina noté to kendaki kotala train moko kote ya rifla ndenge yango etambola rapo ya awa na kati ya ville. Mais tu kenda ki makam to mona ki zalagi passe alors que soki na tie drone na parti ya likolo na bandi ko tala ndenge ba train zali na gare centrale na zo mona ki ba train zali nga na komaki ko accuser ba to ya onatra na zo mona ki onatra za na ba train mais alingi ko tia ngo na disposition ya ba usager te to sale la yango. Qu'est-ce qui se cache derrière cette manque de volonté o biso to bandaki ko estimer que za manque à volonté il fallait ko koma pour avoir des éléments de preuve et puis gare en gozan la situation ni lelo est-ce que transport réseau ça la makaka gare fluviale ti lelo nga la uti ba mboka kuna bisika na uta ki na basidu bangi place na kotamo na bayi nongo banzela nyonso soki nzela ya mai ezali kosala te ba ndekope kuna bazana pasi pona komisa biloko o ezo uta ki sasa biloko uta ki sasa e kwa okoma na avion te tozana ba mpepo te o e kokotsa biloko na poke nango ba Congo Airways ezalaki penza lokola lobiko na biso tala Congo Airways ezaki nzoka ba epave ba pakola couleur maintenant mes gestion o esalami autour nango biloko mibale c'est-à-dire yayi d'abord likambo ya qualité ya biloko basombaki modela ya qualité ezape makambo ya et mes gestion o esalami na moto azaki responsable nango yango ko ici pas entreprise donc totikali ya wakaka na chemin de fer e koki kolongisa nzoka chemin de fer pe za munduki tishiko eloko ya malonga pe eza osalama te na chemin de fer moi ba réforme ba changer ba to boni na kati ya onatra maintenant tozu penza solution te o tozo kana alors DG o ya yesika na ba syndicat o ba continue à ko dénoncer te yamba ki lobby ndeko ça c'est arma lo bagi makamo mo ebele mais na lingaki na tikala kana maloba na ite fallait na ko tapona ko vérifier réellement ce qui gare fluvial o bango bazako lo ba wana ba bandi déjà ko sala misala qu'est-ce qui s'est passé et puis na gare centrale makambo za ndenge ngai moko na se rendre sur place bozo yango na koloba yango er moko TV za radio te boza la kimia na kola kisabino ba image nyoso bien que ozali illustration peut-être pour la première partie mais je pense que la deuxième partie peut-être d'ici 16h to retire la bino yango en exclusivité bogota la sans que toke na ba commentaire belé bogota la bino moko notre de sata on a trabo koyoka yango bokoyoka pas pour makamona ke komona kuna eza makamona bisa ki bino la 2015 ndenge na lobaka pona matata mponyo matata mponyo premier ministre à l'époque bakenda kosomba ba voiture ou ya train basombi yango 10 na valeur ya 10 millions de dollars oh ba voiture yango ezaka ba voiture na biso na banda ko douter mais je viens de vérifier effectivement ezaka yango ba voiture oyo mobutu asomba ka pesaka na Gabon lokola don ya Zaïre akabeli ba gabonais à l'époque le grand Zaïre mais aujourd'hui ma tata est allé encore récupérer ba même voiture oyo mobutu apesaka don tosombi yango na hauteur ya 10 millions de dollars. Et puis mokolo ya cérémonie ba sokolisa président de la République alata bilamba aya pe na gare centrale pona ko inaugurer ba voiture bango ba somba ki malheureusement selon les informations recueillies sur terrain train tikala ko tambola te même ko démarrer ya pamba ezalaki problème. Joseph Kabila président de la République qui n'était pas aussi un magicien pour comprendre tout ce qui s'est passé, il a fait foi, il a cru à Matata Mponyo. Mais quand il est arrivé sur place, le président Joseph aujourd'hui sénateur à vie à Kota Kaka na train et puis à Bima train tika la kotambola te. On m'a parlé d'un montant de 2 millions de dollars écoutara pour un lancement officiel ou cérémonie inaugurale ya eloko bango bakenda kotala. Mais nyo swana ma papa eloko emonana te munduki o kapena eluvuno. Je viens de là, vous allez voir des images TVZ Radio T. Je n'aurai pas trop de commentaires mais vous allez voir les images et vous allez les écouter eux-mêmes comment ils expliquent la situation. Donc on a vu ça et nous tokenda pe kotala botala bino moko na onatra ndenge bomengo te onatra penza ezali moko ya entreprise tokolo beza socle ya développement soki to bongisi yango soki to sali penza makambo ndenge longo bani ozala malamu avec toutes les preuves ya makambo ba 130 millions oyo balingi bateka pona ba kemi balé o tozolinga to bongisa port na niveau ya Matadi nous allons voir des éléments. Ce qui nous reste c'est Matadi, ce qui nous reste également la voie ferrée
qu'est-ce qui se passe le long yanzela nyonso ndenge ba train kendak l'embouteillage na ville ya Kinshasa un autre problème mboka na biso ezana problème ya l'inefficacité tactique du contrôle de l'état. L'état existe mais l'état est inefficace. L'état zaka lokola mboa ba komi na porte mais na kati mboa zo agir te botongi son mouton son mouton ezali pour permettre batoba kendaka mbango moto azo kenda za na mode d'urgence na nzela toza na 8 bande 4 aller 4 retour mais ba yibi bande moko moko ba permettre moto soga mati likola ken mais bato bazo kitisa bato kaka na banzela wana. Mais ce qui est encore grave, remorque à m'attraper les colos à son moto. Moto Péaza Komad. Sous l'œil impuissant et à autorité congolaise, Batoubazo Talango, c'est comme si le pays n'existe pas. C'est comme si l'État qui n'a qu'il y a sous la Bosani, qui a zagé dans Moussala, qui a eu remorque, bas sanctions fortes, et aux arrêtés. Embouteillage et dans la Katiaville. L'élopoque de Congo central, Matadikibala, c'est difficile à passer. Il n'y a pas de route. Tolobi, Tolemi. Police a eu ma mesure, a eu la maille. Attends une mesure, les lots, ils oscillent. Attends une mesure, ils oscillent. Or, à travers la voie ferrée, ce qui est bon, c'est que les camboyens ont un train. Et bandit au tambola. Ba remorque belé, ça obligé à Nzela Matadiki balate. Parce qu'on a très à la capacité. Na wagomoka kogi komema, ba conteneur et belé, à ta 15 conteneurs, à quoi go salaire. Mais ce qui n'est pas le cas, bisonne tout ça, la Nzela Matadiki bala. Na biso ba privé, na biso ba toi transport, na ba remorque zo ma marchandise. Nzela ngosoke boukani ba chemi solo ba sali effort ba bongisa wa dirigeance alors que la voie meilleure et quoi que la voie oyo to lobi voie ferrée a na mboka nyoso pour terminer ba possibilité à transport na mboka o ezali penza un pays développé examiné ezali nzela ya mpepo ezali nzela ya mabele ezali nzela ya mai pe ezali nzela ya tuku ya ngunduka yo ndo kupona okoya na motu kana o tiki na gare okoti train oke musala soko siliso yo kozwa uzuni okoza pe na nzela mai to utaki Dubai awa to komaki Nazali na directeur technique et si kama ko tozo kende toza la possibilité ok na mutuka to kende effectivement na mutuka mais contour ya mutuka zo biso ata 40 ou 50 minutes poto ke ndoko na place tozo kende alors que na mai tozo katsango na 5 minutes to longwe na ngambo to ke pe to sali loko toza ko sala donc il faut résoudre il faut penser à cette bonne politique ko tia nzela ya mai ko tia nzela ya ngunduka ko tia nzela ya mabele ko tia pe nzela ya pepo Kinshasa le lo avec 20 millions d'habitants. Ça sera difficile pour Nabiso dans les jours à venir de vivre à Kinshasa et que vous allez moi passer. Surtout que Kinshasa, si vous avez commis un bon, vous avez dit que vous avez dit que vous ce qui n'est pas le cas ailleurs. Je prends les informations du jour alors, avant de recevoir Maître Robert Badibanga, pasteur également à Char de l'Église. Hein. On va parler avec lui tout à l'heure. Alors voici d'abord les informations du jour, messieurs et dames. Tchopo, la police présente 17 présumés auteurs de meurtres et incendies des villages proches à Kisangani. RDC violence ethnique à Malembankulu Tshisekedi instruit les autorités à prendre des mesures urgentes pour rétablir la paix. Violence ethnique à Malembankulu, révolté Moïse Katumbi fustige l'absence de l'autorité de l'État et exhorte la population au vivre, de vivre ensemble. Élection 2023. Le programme quinquennal des 7 Kikuni chiffré à 110 milliards de dollars. Nord Kivu, le bilan de l'attaque des ADF à Watalinga passe de 23 à 33 morts. Ituri, en patrouille de combat, les FRDC neutralisent 6 Maïmaï à Mambasa. Kinshasa, à Massina, Petro-Congo, la police accusée d'exiger jusqu'à 100 000 francs congolais d'amende aux civils qui se promène la nuit. Félix Tshisekedi préside ce mercredi la dernière conférence des gouverneurs de son quinquennat. Pour terminer, Sud Kivu, plus de 20 cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre documentées en 5 mois. Ce que je voulais dire aussi pour la Batamassine à la Petro-Congo, la police, en tout cas, à un certain moment, toi, la télévision, nous sommes appelés il y a quoi éduquer, il y a quoi instruire, mais bobet ça bisou li bakoute que tolo bama bepe li kolo ya police et que ça le quoi to komi na problème na police. Kotambo la boutou za infraction te mon frère. S'il y a une opération, ndenge to sala ka de temps à autre, to yo ki ote ba pesi opération, couvre-feu à partir à 22h, so ba to ba boy koto sa ba infraction komi. Mais couvre-feu zalité, aucune opération officielle n'a été annoncée. Ou une mesure prise dans ce sens-là. Mais par quel mécanisme vous commencez à interdire de gens batou batangi batamboli na butu bokangi bango et puis vous foutez bango 100 000 francs.
Sur base de quel principe? Texte en goza wapi, base légale les ali wapi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On se pose des questions. Alors, le bel amangamba remorque l'icolo. Moussa la police a quoi que ça la ngwana pour empêcher, donner des sanctions fortes. Mais bozo ça la ngote. Mais bino makambo ezangitina, kokendo kanga moi sina mobali, bomoni bango na butu, ote, bo créer la mope infraction. Deux personnes de sexe opposé dans un milieu isolé avec intention de faire quelque chose. Infraction n'est en accord. C'est grave. Allez, mon frère, bonjour et bienvenue. Merci, Sango. Mikolebele, ça fait une année. Oui. Depuis la dernière jour, fois. Jour pour jour, nous sommes choqués par ce que vous venez d'émarger. Parce que normalement, nous sommes dans un état de droit. La police, sur la voie publique, est en droit de demander, je ne sais moi, les assurances ou encore les volets jaunes. Quand il y a une annonce officielle, en ce moment-là, chacun se promène avec ses documents, sachant que les services habilités seront là. Parce que PCR Azar au Sengayo, Pesanga Assurance, est-ce qu'il y a ça la assurance? Pesanga Volet Jeune, Moutoukaï Bungati. Tout ça, ça provoque aussi des embouteillages. C'est aussi parmi les agents, n'est-ce pas, qui nous reculent les 10 000 pas. Et nous n'allons pas nous fatiguer de dénoncer cela parce que c'est à cause de ceci que le pays ne se développe pas. Ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'il faut qu'on étudie un problème. L'émission est à Lingala, il faut ça l'effort. On a vu que c'est difficile pour toi, mais il faut zonger. Il faut qu'on étudie la cause endogène et exogène. C'est toujours important. Un bon diagnostic pour permettre de trouver sa solution où il est vraiment approprié. Les problèmes des embouteillages, les problèmes de la police, la manière il y a qu'on kanga, il y a qu'on interpelle. On a des sérieux problèmes. Des fois, Moutazo Tounaoli Kambou, il n'a pas qualité, mais il le fait quand même. Tout à fait. Naza agent à l'État, aux yeux bateaux, aux yeux senganini, est-ce qu'ils ont la prérogative na yo, mais un désordre installé, naba service à l'État, au vu au sud de tout le monde, bah, il n'y a pas légalisé en gros, mais c'est un désordre légalisé qui est atteint à soubassement mon côté, que nous devons arrêter en urgence. Les politiques congolais. Allez, Nazagi na contexte, Nazagi na raisonnement ou analyse, mon Nazo Sanalbi, mboko zabie me batunde bazamabe. Surtout les politiques congolais. Tout à fait. Est-ce que le salut y a peuple congolais passera-t-il par des politiques congolais? Quelle est votre analyse, Lelo, par rapport à la politicien congolais, par rapport à la politique aussi du Congo? Est-ce que c'est une bonne politique appliquée pour sauver les pays? Est-ce que nous avons les politiques capables, idéales à qui faire confiance pour changer les choses? Quel est votre point de vue? Oui, Sango est un challenge. Tout le monde bagarre à tous les niveaux, mais le salut d'un peuple n'a jamais reposé sur les efforts d'un seul individu. Ok, c'est, il faut vulgariser, il faut mobiliser les populations, leur inculquer les bonnes, les valeurs, hein, les valeurs pratiquement. C'est comme ça que vous avez autant à Maramba saute mouton. Batongi saute mouton pour une urgence, mais aux autres, on a oué ou à l'icoleur saute mouton. Ce qui a quoi, il y a un koufi, problème, on se fait créer, on m'y crée. Donc, j'estime que, mboka ou yo eko bika. Toza ko bika déjà, yo za ko bimalibanda mboka, toza ko yo ka témoignage mboka na biso, to ko mi convoité, parce que toza ko ngenga. Avec alternance ou yota kosalema, mokonzi mboka zui, yé pasa kosala moussala kitoko. Finalement, tout ça remonte à tout ça pour qu'il y ait vers quelque part. Maintenant, nous devons nous mobiliser pour aller vers cette direction-là sans nous fatiguer. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'estime que c'est les efforts de l'un comme de l'autre qui va sauver ce pays. Est-ce que vous pensez que la politique actuelle appliquée par les présidents de la République, la manière que l'opposition se comporte, vous pensez qu'il y a toujours qu'il y a une bouille à tunnel? Sango, c'est pourquoi je suis en train, j'ai écrit plusieurs livres, mais dans l'un, je suis en train de parler de la force du caractère. On en parlera d'ailleurs. Oui, oui. Pourquoi? Parce que ces caractères-là, ce n'est pas seulement les leaders ou encore qui doit en avoir, mais aussi les peuples. Le peuple doit sanctionner. Le peuple doit avoir du caractère. Vous savez, certaines jeunes dames croient qu'elles ont du caractère alors que ce qu'elles manifestent, c'est tout simplement de l'impolitesse. Ce n'est pas saluer des gens, elles croient que c'est ça avoir du caractère. Alors que ce n'est pas le cas. Les caractères, pour
Mais résumé, je dirais la force du caractère. D'abord, la force, c'est quoi? C'est une capacité. C'est une faculté naturelle, n'est-ce pas, d'agir d'une manière vigoureuse, ok? Une aptitude, hein, n'est-ce pas, de concevoir, de réfléchir des manières à donner solution à toute éventualité. Et le caractère, c'est une particularité, c'est une marque particulière, c'est un signe distinctif. Et alors, les forces des caractères, qu'est-ce qu'on aimerait dire par là? C'est tout simplement l'ensemble, ou encore tout simplement, qu'est-ce que j'aimerais dire, na lingala, permettez-moi, na mekakoloba na lingala. Donc, ma koki oyomutu, a koki kozala nango, ya ko produire makambu malamu, oyeza ko influencer génération mobimba, ko impacter d'une manière positive. Voilà. Alors, je vais revenir par là, afin que les peuples comprennent que leadership oyeza éducatif te, hein, eza ko mérité te ba voix na bango. D'ici peu, nous irons élire, n'est-ce pas? D'ici peu, c'est les scrutins, mais ces peuples-là devra comprendre, de par les réactions épidermiques, ok, des candidats, je ne sais pas les appeler opposants, ok, de par leurs réactions face aux situations aussi simples, qui ne sont pas dignes de recevoir leur voix. Parce qu'un candidat qui envoie les populations sur la route, allez vous faire massacrer, allez faire de la voyoucratie et tout ça, est-ce que cette personne-là est digne d'être considérée comme père d'une nation ou encore représentant d'un peuple? Quand tu dis par exemple que Mboka est comme un rayonné, Mboka est au tambour la malamou, aux autres, la légion n'a pas reçu à titre individuel, tous le peuple d'une manière générale. Oui, oui, Bisango, Ndekomo Kwalubaki, ce que le Bikongo, tous ça, pour diriger un malamou, Kassinzambe, a dirigé Pebo Moïnaio, Ndenge Congo, et ça, pour diriger. La bande, c'est au bout, et Zamba dirigeant Ndengwana. C'est une mauvaise comparaison. Ok? Le pays était quelque part. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il y a des efforts qui sont conjugués de part et d'autre. Et nous sentons, le chef de l'État l'a dit, que dans la justice, il a semblé avoir un peu de faiblesse. Okay? Parce que l'État des droits avec la démocratie, il y a toujours de ces personnes qui ont des défauts de caractère et qui nous reculent. Mais d'une manière générale, on estime que nous pouvons avoir 5,5 sur 10. 5,5 sur 10. Vous avez vu la note que nous avons pu obtenir avec l'organisation de, n'est-ce pas, des jeux de la francophonie. Vous avez vu les réalisations, n'est-ce pas? On peut constater que nous allons quelque part. Très bien. Allez, tous allez en direct. Population d'Azo Jigé, hein, parce que au moni, makambaba macroéconomie, makamboyaba avancement, notre économie, tu sais qu'elle a dit que notre économie se comporte bien. Sur terrain, il y a problème, il y a discours, il y a problème, il y a bateau, bazan, la sinanda, il faut entrepreneur, il faut mosombi moté qui bangonde, il y a pasteur, il y a église. Binonde bat boi bagayer moko, économie en boka. Ozomona que économie, ça va, à partir de offrande, va dire moko, ça va. Est-ce que vous pensez que notre économie se comporte bien? Sango, nous devons être honnêtes. C'est notre pays, nous le chérissons, nous devons être honnêtes. Moi, j'estime que nous nous appauvrissons par les scrutins électoraux. Je me suis renseigné, c'est déjà 1,1 milliard de dollars pour organiser les scrutins. Lesquels scrutins? Depuis l'origine, aux États-Unis, vous avez appris que non, la Russie a fait quelque chose avec Poutine pour influencer. Nous savons qu'il y a une forme de magouille dans cette histoire-là. Mais nous nous mobilisons tous pour que cette histoire soit toujours là. Comment on prend 1,1 milliard de dollars, 900 millions, 1 milliard, même au-delà, pour organiser des histoires, alors que nous avons nos enfants qui finissent, n'est-ce pas, et qui sont au chômage. Moi, je crois que nous devons mettre un peu d'eau dans notre vin et être objectifs, comprendre comme chez nos amis ici, bah fanatique Nabiso, bah Rwandais, on peut trouver un moyen, parce que nous avons un fils du pays à la tête. Ok, hein, régler les questions qui sont importantes, comme créer des entreprises. Si on prend 1 milliard aujourd'hui, on déverse, ok, dans les domaines des entreprises, je crois qu'il n'y aura pas des médecins au chômage, il n'y aura pas des juristes au chômage.
et nous voulons avoir une situation économique bonne, alors que tous nous regardons dans un seul sens. Aucune personne... Il faut diversifier. Alors, parce que l'État aussi ne donne pas des subsides. Hein? La entreprise, on va priver tous les gens. Si les lois sont subsides, on a l'État tous les 8. Toujours, on a la propre effort, on a bien, alors que tu crois qu'on est encouragé par l'État congolais. Mais nous ne sommes pas encouragés. Même les créances, l'État ne paye pas. Vous imaginez une personne qui a fourni à l'État, n'est-ce pas, des biens pour que l'État paye, et cette personne commence même à décéder, l'État ne paye toujours pas. Mais l'État dit, je n'ai pas d'argent, dans l'entretemps, l'État dépense 1 milliard autant pour organiser des histoires. C'est pourquoi, par moment... Mais en même temps aussi, l'État dépense 324 millions pour organiser la francophonie. Il dispose 300 millions pour la Rotongaka, des tours jumelles à Anagombe. Il faut étudier par paramètres et par priorités, des priorités aussi. Oui, il faut voir des priorités, mais ce qui a été fait avec la francophonie, c'est pour notre image. Notre image a été mal vendue. Quand on parlait de la RDC à l'étranger, nous étions très mal vus. Au moins, cette histoire, chacun s'est fait quand même une idée, c'est quoi la RDC. Beaucoup, après ça, viennent pour investir dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez fait des constats. Alors, on va évoluer peut-être. Où vous êtes pasteur? Parce que vous parlez des politiques, la bonne foi, changement, l'image. Un peu de texte, un peu de mots comme ça. En tant que juriste, vous êtes... Vous êtes un peu de mots comme ça. Mais tout dissocié. Parce que bino ba pasteur, ba accusé bino mingi d'être à la base, il y a non-développement du pays. Vous êtes au pion du peuple. Vous parlez des entreprises. Bino n'a pas église privée. L'église n'a bino, il y a un réveil. Vous ne créez pas des entreprises. Or que beaucoup qui ont ça la paix derrière bino batwa boza besoin entretenir ba chômeur ou beaucoup qui ont transformé lobby ba comme paix et une nakata société à travers des formations à travail à travers ba petite moyenne entreprise, mais vous n'arrivez pas à le faire. Quel est l'apport y a église dans le développement à Congo? Sango, l'église fait beaucoup. Vous savez, j'aime Bosolo parce que ce n'est pas comme France 24. Quand il n'y a que des mauvaises choses, on nous présente des mauvaises choses. Au solo, quand il y a des bonnes choses, on encourage. Les travaux qui font des pasteurs dans cette nation, si nous éradiquons les pasteurs, mais les gens vont décéder d'une manière incroyable, parce que toutes les bavures que commettent à tous les niveaux, entre guillemets, les autorités qui manquent de caractère, okay, ces peuples-là vont se rabattre dans des églises, et ce sont ces pasteurs-là qui les fortifient. Pour dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Eh bien, vous venez de dire quelque chose de très important, c'est que créer des entreprises. Je crois que l'État doit aussi accompagner avec des subventions, n'est-ce pas, les églises. Vous me rejoignez, oui, ça c'est pas seulement pour les églises, mais c'est aussi pour les entreprises privées. Oui, exactement. Partout ailleurs, c'est l'État qui crée des entreprises. C'est toujours l'État qui crée des entreprises. C'est ça, vous constatez que l'État est démissionnaire actuellement. Bon, l'État, nous devons aussi toujours... par moment, parce que depuis l'école primaire, nous savons que l'État c'est vous, l'État c'est moi. Donc nous devons ensemble mobiliser, okay, pour que l'argent du contribuable puisse servir à quelque chose. Vous venez de faire un mouvement vers l'ONATRA pour constater que les choses n'allaient pas. Et voilà, question de voir comment le peuple pourra se retrouver. D'ailleurs, je me posais beaucoup de questions si vous étiez candidat ou pas. Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. On va parler de cet ouvrage qui porte sur la force du caractère. Oui. On va revenir tout à l'heure, mais regardez ce que je vous disais à messieurs et dames. Nengazagi na Mbujimayi, tuzalagi na Miabi, on a été à Katende un peu partout. Nagina okutana na ba bâtisseur. Ba bâtisseur ezali bana na biso bazalagi ba kulu na lobby. Bana na biso bandoka ta biso matoi. Tant non, soit nabango venga la outa limite, nabakanga langaba, nabakanga kumina gisasa, nabamwana masina, nabamwana gitambo, nabamwana ipen. Finalement, bandego na biso ba congolais, oya kinoa mingi, bao balaka to bandago loba, naoka kipe periode mogo, banana bakimi, banana babomi, bango, banana babeta, bazonyo kola bana. Te, je suis allé à la recherche ou à la rencontre des bâtisseurs. J'ai eu le temps d'échanger avec ses enfants, na solo na bango, na yoki bango, bango mogo ba lobby. Pour recéper là. Et là, on a sépéli parce que Nenge Bible Lobaki, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Transformation est commis par l'homme nouveau. Et ça, Koulou na lissou souterrain, na kombo échangé, commis bâtisseur. Bangomo bazo sala baban, bangomo bazo tonga ba école, il y a 12. Soko tali construction à l'école na bango, même ba privé belé à batongi bongote. Et ça, bana na biso qui autrefois était Koulou na
mais basu formation paramilitaire, basu lavement à cerveau et permettre bana na ba kwa kozala ndenge bazali. De passage na monaki Moïndo Nzangi qui se félicite na bana oba yaki lokola ba volontaire pour na formation paramilitaire. Moi j'aurais souhaité que formation en ezala volontaire était mais à la inobligation. C'est-à-dire moi na nyonso azu examen d'état avant kota université parmi ba document o ya kokotsa na kati ya formulaire na ye. Il faut attestation ya formation paramilitaire ou azo ki quelque part. Je pense que ça pourra régler la question. Na place ki to tika yango ka ezala na volonté ya bana. Nous voulons voir tout le monde. Le pays est tellement grand, tous en la richesse est belé, guerre ata lelo to silici. Mais jalousie ya bato bazan na biso na communauté internationale ba ko convoiter biso la guerre ko zala toujours d'une forme, d'une manière ou d'une autre. Guerre ma yena noté, guerre kuna on aura toujours de problèmes. Il est souhaitable aujourd'hui bana bazo quand même cette formation basa la na base parce que bato basis déjà université les amener encore ba kené na armée. Je pense que il faut pas compter sur ce genre là, mais comptons plus na énergie ya bano ba uti ko si sa classe. Na uti ko tana bango na moni ba étudiant o bazo zo cours normal. Bazo kende ko sala stage pe pa ya bana wana ba batiseur. Kuluna akomi encadrer ya moto za na université. J'ai entendu des gens sur Twitter, Facebook, le rôle à Congo batunyo so ba yebaka. Nous avons des personnes là-bas qui sont en panne d'imagination, dépassées par les événements. Ba nyonsologue, tout ce qu'on explique, ba ko bana ka magaza la mambolo. Sango, c'est n'importe quoi. Comment un batiseur, un kuluna peut-il encadrer moi na outi na université? Mais il faut être malade papa. Il faut vraiment être malade. Il faut vraiment être nul dans la tête pour ne pas comprendre. Étudiant Azotanga, à Ecoli Théorie, étudiant Aye, pour ça la stage, et pas y a moi na Oyo, Azarana Théorie, et à comment la pratique, c'est ce qu'il fait. Vous êtes venu lier l'utile à l'agréable. Et il sera votre encadré. Où est le mal? Posez-lui la question. Il a eu une formation, Koulou n'a pas eu une formation avant qu'on m'abattisse. Même dans des petites choses, les gens ne veulent pas réfléchir. Le gola batbazan a un sentiment négatif, ce sont des. De radicaliste même matin il loko salami ma bébé lokola azad d'accord na yote et loko wana rendre en négatif. Regardez ce qu'a été notre visite. On va se retrouver après pour parler sur la force du caractère. On va terminer avec les frères, je vais revenir à la fin pour faire la mise au point sur le dossier de l'ONATRA que je viens de visiter ce matin. À très bientôt. Malgré les multiples critiques au départ par les ONG de droits de l'homme suite au transfert des jeunes délinquants communément appelés Kuluna pour leur rééducation à Kanyamakassese, aujourd'hui cette option semble donner de résultats escomptés dans la mesure où il a permis au gouvernement de trouver une solution à ces phénomènes qui ne cessent de gangréner la société congolaise en réinsérant ces derniers dans la communauté et en faisant d'eux des fonctionnaires de l'État dans différents domaines et secteurs de la vie nationale avec un salaire chaque fin du mois. Lors de son séjour dans la province du Kassai oriental, le journaliste d'investigation et patron du groupe de presse Bosolo, Israël Mutombo, a décidé de se rendre au Kamiba Volai, situé dans la commune de Kanchi en Mbujimayi, considéré comme le quartier général des ex-Kuluna, devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation. À son arrivée, il a été accueilli par le major Soutini Mavambo, commandant du bataillon. À cet effet, Israël Mutombo a pris langue avec quelques-uns parmi eux qui ont salué leur réintégration dans la société à travers les services nationaux. Les lots aux années 50 sont à Kinshasa. Bah, il peut aux vivants, bah, photo, puis mon anaga. Toutes les formations qui produisent, Toloni, Bassango, Bachou, Obisoumont, Toulia, pour Bachou, Bimate, Obisoumont, Toulia, Ramba, Tomate, la pomme de terre. Bidon, Bosolian. Voilà, tout produit, maintenant, il y a du Bousseau, formation agricole. Après, tout ça, ma professionnalisation, la Bissau. Moi, j'ai la menuiserie. Ok. J'ai pu profiter à menuiserie. Ah ouais. Je suis venu à la maison.
la vie où tu es la vie. Tu es le monde des ténèbres. La réalité est la vie au président de la vie. À l'accès à la vie, nous avons un chemin à venir. Pour dire que nous avons tous les gens qui sont en Afrique du Sud, nous avons un peu de temps. Si, si. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons touché mon thème à mon grand-dit, à telle façon, nous allons se comporter comme nous. Nous sommes en train de nous faire un peu de contact avec la famille? Oui, déjà, tout commence à avoir un peu de temps. Ah, vous avez un peu de temps? Oui. Donc, pour la place, vous avez une vie à ma belle. Lelo bongwani okomi pe a mesure ya routine de la pe famille na yo tata na mama na moi lelo kozala chaque fin du mois ati na vraiment quelque chose pour nos parents kulu na batisseur azobik sa libota lelo mais ça a été batisseur de la nation bino bo routine na likambo wana est-ce que omuni keza logique mutu nyonso il faut ekola musala menesere ce ba notion à service militaire ozomo na ngoza normal eza pena normal pour na service national ba ko rediquer yo. Donc, je suis en service obligatoire au quotidien au quotidien. Je suis en train de faire Binza. Mimosa. Je suis en 2021. Oui. Je suis commissariat, commissariat au YEA. Je suis en train de faire la famille. Oui, je suis en train de faire la famille. Si tu as l'état déjà pris sur ma camion, ça m'a beaucoup. L'état offre ta bino bon ou la bino? Toujours à traitement, toujours dans l'hôpital, dans le monde permanent. Moi, je suis chauffeur mécanicien. Grâce au service national, je suis machiniste. Je suis un tracteur, je suis un tracteur. Et puis, moi, je suis un service qui est un vieux, tout ça qui est bien. Tout ça bien. Tout ça bien. Toujours à salaire, bien. Tout ça. Sauf que là, bientôt, mon monde va te mettre un bel. En outre, il s'oppose à une quelconque idée de la fermeture du service national. Si on a un service national, Avant de quitter les camps Miba Volaï, Israël Mutombo a eu droit à des chansons de motivation de la part des bâtisseurs de la République. Bâtisseur Moja! Bâtisseur Moja! 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 Moral! Djou! Moral! Djou! Moral! Djou! 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 A genoux! Notre devise! Jésus! 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 Fidélité au peuple congolais! Fidélité au peuple congolais! Arrivés en 2021, dont la plupart provenaient de Kinshasa, ils sont désormais au service de la nation après avoir été formés dans plusieurs métiers. Pour éliminer la fièvre, on élimine les causes à l'origine de cette montée de la température du corps, que les autorités donnent au service national les moyens de sa politique pour mieux combattre les causes sociales. Allez, on va revenir. L'intégralité, vous allez suivre ça. Bosolo Télévision reste la seule chaîne au cœur des investigations. Ya ona lo bayi na bino kozanga sango na likita na bino ezalo ko lozangi mungu ala biloka kolia bato diabète nde ba osepela sango tata malongi muluba mwindo chef de poste officier de permanence naza ko mignon naza muke men église catholique obligé ba manga maboko mibale loboko moko te naza hymne national nazanga disque d'or me batutu ba ibinga c'est que plus important nani ya kotambola na sango mama ndunda sepela nai o mama ndunda ko ibiso ko simba sango na biso te sango na biso azaka kae moko.
Bandekouana na boakeli bango ba fleur. Mon général, les unités sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre bravoure. Le général Kasongo Kabwiku. Naibsaibino entre policiers, entre soldats. J'avais dit entre soldats et politiciens, je préfère un militaire qu'un politicien. Namoni soldats a sérieux. Pour bape sa soldat 2 millions de dollars. Millions ni mi balé. Nde et bandeli a isengonyo soboso yoka ya masangu. Na kena mbujima inakuti 50 000 sacs ya masangu. Baza goteka. E botami na ba soda. Soda nde asaliam. Politicien nda lingaka banda français kanu no film vous vous fites. Il alla, il mangea, il descenda, expliquait tout ça. Le pléonasme. Tout n'y a que tu ba politicien. Mais soda zolo ba mouke me mato imilai. Le général Kabwiku. Les tikangaya wana bwa kilo ba fleur. Na kumi salo lendo na yo. Na komi somo nene pona mosalo yo sali. Vous avez exécuté parfaitement la vision qui vous a été confiée par M. Tshisekedi, président de la République. Et le loyo, na ke komo na kuluna. Nenge pola lobagi, les choses anciennes sont passées. Toutes choses est comme une nouvelle. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne suis plus Kuluna. Je suis devenu bâtisseur. Na moni ba na bazolo ba français. Pache peze mikuna. Échange ya culture. Oye a Bandundu. Oye a Mukongo. Oye a Mouswaïl a se retrouvé kuna. Azupe mamu. Oye toao. Bishiweo. Baboti ba na mibale. Obota ba na misato. Basali ba foye na bango. Ils sont en contact avec famille. Politicien. Par rapport ya soda, je préfère un militaire. Na Moussala. Azupe sa moi résultat. Français a mouké. Oui, un politicien va payer 400 millions. Et bimi na Bukangalonzo. Un grand projet. 200 millions, c'est bimaki. Pour ça, la masangu, le loyo, Bukangalonzo, tikali li solo. Aziza kuta zongaka, mais politicien zo zongate. Allez, la force du caractère, deuxième partie. Ouvrage, Joano, combien mot déjà? Oui, c'est écrit dans peu de temps, c'est serré, publié. Ok. Ça vous a pris combien de temps? Ouais, bon, quand on écrit, on n'estime pas, on peut dire des ans déjà, depuis que j'ai écrit. Oh. Mais on en fait allusion parce que nous nous rapprochons des élections. Okay. Et nous pouvons dire que notre chef de l'État a du caractère. Parce que ce que nous venons de suivre tous à la télé, c'est aussi un travail éminemment spirituel. Mm. Hein, il a chassé même des démons qui occupaient cette jeunesse-là, communément appelée Kuluna. Et c'est à applaudir. C'est pourquoi, laissez-moi faire une ouverture. Allez-y. Quand j'ai dit au début que je ne vois pas d'opposition, je voulais dire tout simplement que parmi toutes ces personnes, si ces personnes avaient conscience, ils pouvaient comprendre que nous avons l'un des nôtres à la tête et chacun pouvait être dans son rôle. Quelqu'un comme Moïse Katumbi, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je les préfère comme premier ministre, par exemple. Ça, c'est un avis. C'est un avis parce que dans la Bible, quelqu'un comme Joseph avait toujours vu des visions, des songes, ça lui créait beaucoup de problèmes. Mais lorsqu'il a décidé d'interpréter la vision de Pharaon, ça l'a propulsé. Par moments, il faut interpréter la vision des autres. Quand il veut à tout prix, oh, je vais être chef de l'État, je vais faire ceci, je vais faire... ça lui crée des problèmes. Oh, il veut être à tout prix des pères et des mères. Mais personne ne lui refuse les droits d'exercer dans le pays. Donc il peut servir ce pays aussi autrement. Quelqu'un comme Fayoul, nous l'avons vu, n'est-ce pas, avant-hier, comment il s'est salué avec chaleur avec le premier citoyen. Hein, quelqu'un comme notre aîné qui a fait allusion à des pères et des mères. Noël Chani. Oui, il est conscient qu'il ne va pas passer quand, chef de l'État. Le pasteur, pasteur Ngalassi, pour qui Dieu a donné aussi les messages, selon lui, qui sera président de la République. La présidence, c'est un destin, c'est un destin. Quand vous regardez nos chefs de l'État, même parmi ses frères, vous voyez toujours que lui a quelque chose que les autres n'ont pas. Je ne conteste pas, mais j'estime que le révérend Ngalassi a droit de postuler, mais il aurait fait autre chose, gouverneur de province. Nous avons quelqu'un qui nous fait du bien comme ça. Pourquoi, hein, pourquoi les combattre? C'est ça les termes, pourquoi les combattre? Bon, c'est une course, on verra qui va gagner, mais vous nous voyez, spirituellement, vous ne voyez pas Ngalassi devenir président de la République? Non, vous savez, il faut bien interpréter les visions que Dieu nous donne. Dieu peut vous révéler que vous êtes roi,
Même vous, vous êtes roi pour votre famille. Quand vous rentrez chez vous à la maison, votre épouse vous accueille comme roi. Les maman enfants. Laetitia Mutombo. Oui, maman Laetitia. C'est également mon épouse aussi, s'appelle Laetitia. Ah donc, bon hein, ah, mais elle a chanté. Chez moi, je suis roi. Ouais, ouais. Peut-être qu'il a vu une autre royauté qui ne doit pas interpréter à tout prix comme étant la présidence de la République. Ça, c'est sacré. Alors, parlons de la force du caractère. C'est quoi le contenu? Nous avons parlé, le message clé nous, a, de nous cet avons ouvrage. Parlé de beaucoup de choses dans cet ouvrage et je crois que ça va être un manuel qui va aider. Et les candidats et même le peuple. Le peuple doit avoir du caractère. Ils ne peuvent pas souffrir durant une période bien déterminée. Vous l'aviez, j'ai vu un élément que vous avez promené ici où vous avez souffert sur la route pour arriver à destination. Et mais vous croyez que dans cette zone-là, il n'y a pas de députés? Ce sont des gens qui ne font rien. Mais malheureusement, vous risquez de voir ces mêmes personnes être reconduites. Okay? C'est ça, c'est ça, c'est comme ça que réagit un peuple sans caractère. Ok, c'est, on, le contraire peut aussi être dit. Un candidat sans caractère. Je vais jeter aussi des fleurs chez une maman que je ne connais pas. Je ne la connais pas personnellement, mais c'est un ami qui parlait d'elle. Il s'est rendu à la Banque centrale avec un peu d'argent donné à une maman qu'on appelle maman Moulengezi. Et cette maman l'a admonesté. La maman a dit, même si tu me donnais 1 million, je ne peux pas prendre. Je suis bien payé. C'est cet ami qui est venu vendre cet éloge-là. Aujourd'hui, nous en parlons. Le pays a besoin de personnes comme cela. Une personne comme maman Nicole Boitcha. Des personnes intègres. Okay? Alors, quand nous parlons du caractère, c'est parce que ce qui tue le pays, c'est les caractères. Sangou. C'est les caractères. Autant de millions... pas de résultats. Quelques millions, un grand résultat. C'est le caractère des personnes que nous responsabilisons, ok, pour gérer. Quelqu'un qui n'avait jamais géré 100 dollars dans sa famille, ok, par la magie, il se retrouve quelque part, ok, et il doit gérer des milliards. Mais comment voulez-vous que cette personne rende service? C'est comme ça que dans ces livres, nous avons illustré par David. David, c'est un bon exemple du leadership parce qu'il a été préparé loin comme roi. Mais avant d'accéder à cette royauté, Dieu a permis, parce qu'il chantait très bien, vous savez, qu'il accède dans la maison royale chez Saül, mais pas pour faire de lui un grand musicien. À cette heure, nous croyons que non, comme je chante bien, je deviens un grand musicien. Mais Dieu voulait qu'il entre là-bas pour voir comment le roi s'habille, comment il tient ses rayons, ok? Parce qu'il était appelé à la royauté. La plupart des personnes qui nous dirigent n'ont pas été préparées, ils n'ont pas été formées. Or, quand la formation rencontre l'opportunité, c'est ce que nous appelons succès. Ces pays... nous devons les conduire vers le succès. On a besoin de personnes qui ont été préparées pour des postes. Okay? Et le peuple, quand je parle, ils savent que tel a été préparé, tel n'a pas été préparé. J'ai aussi illustré, j'ai parlé de l'escroquerie élective. Sango, vous trouvez quelqu'un qui réside Kinshasa. Il a une base en province là-bas. Okay? Quand il y a élection, il va là-bas pour représenter ces personnes-là. C'est comme ça que nous avons même proposé que... par voie de référendum, nous devons toujours revoir un peu notre constitution. Sango. Au lieu de 5 ans, mettre 7 ans, 8 ans pour le chef de l'État, voir aussi les députés. Souvenez-vous de l'époque de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, parce qu'il nommait les députés. Hein? Chacun a pu respirer. N'est-ce pas l'odeur de la richesse dans ces pays? Okay? Je crois que nous pouvons aussi prévoir quelque chose de comme ça dans chaque quartier, dans chaque commune, et doivent vous proposer des personnes... hein, qui doivent les représenter comme ça. Même quand on va voter parmi les 3 personnes, il y aura au moins quelqu'un qui vit avec eux, qui déjà au départ fait quelque chose dans les quartiers, fait quelque chose dans la commune. C'est quelqu'un que nous connaissons, pas quelqu'un qui tombe d'en haut, qui ne vit pas avec nous. Et on a connu Mwanga Tchoutchou, je n'aime pas citer des noms. Ce n'est pas propre que nous soyons représentés par des personnes que nous ne connaissons pas. C'est un peu ça, Sango. Être représenté par des infiltrés. Par des infiltrés, par des imposteurs. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Des escrocs, ils escroquent nos voix et les moments venus, nous restons dans notre douleur. Vaut mieux un ennemi qu'un traître. Oui, nous ne voulons pas remplacer un démon par un petit sorcier, non. Nous voulons remplacer les antivaleurs par des valeurs. Quand les chefs de l'État parlent du changement de la classe politique, ce n'est pas changer de figure, c'est changer les antivaleurs par des valeurs. Tshisekedi a dit hier, vaut mieux, on n'a que 2 choix, soit on revient à zéro, on recommence pour décoller, soit il faut préserver tout ce qui a été déjà fait. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec pour Tshisekedi? Non, la tâche n'était pas facile pour un chef de l'État, la tâche n'est pas, même pas pour un bourgmestre, même pas pour un DG, même pas pour un professeur.
Il gère des personnes en bonne santé, des personnes malades. Ce n'est pas facile et nous lui faisons entièrement confiance. Nous prions pour cette personne. Je crois que c'est le même travail que nous ferons. Okay, pour le prochain, nous lui souhaitons un deuxième mandat, de manière à lui permettre d'achever ce qu'il avait déjà commencé. C'est ça, ça ne demande pas ça. Le souhait ne suffit pas. Il faudra aussi prouver sur terrain de quoi vous êtes capable pour obtenir quand même le second mandat en question. Oui, on se le dit, Sango. Parce que il a pris le pays dans quelles conditions? Okay. Il n'en a eu que 2 ans et demi, parce que les 2 autres et demi, vous savez ce qui s'est passé avec la bagarre Tambwe Mamba, Mabunda, des personnes qui nous ont reculés. Mais quand il a, qu'on a délié ses mains, mais il nous a montré de quoi il est capable. Dans les 2 ans ici, notre armée est réformée. Dans les 2 ans ici, mais nous sommes fiers. Et je constate aussi, il faut le dire, que Sango, dans les 2 ans du chef de l'État, vous avez bonne mine, Sango. Ah bon? Vous êtes beau, Sango. C'est vrai, oui. Ça fait partie du bilan. Mais c'est aussi un bilan positif. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'ai grossi au nom du chef de l'État. Non, l'environnement, la conjoncture favorise la santé. Tu as oublié la grâce, tu es pasteur. Et que chacun à son époque, c'est une grâce, ça n'a rien à voir. Oui, Dieu nous bénit sur un territoire. Dieu bénit la terre. Vous pensez que les enfants de Chéribien sont contents alors que Tshisekedi est président de la République, Chéribien est parti. Vous pensez qu'ils ont la même lecture que vous? Oui, je ne préfère pas qu'ils souffrent. Ce sont des enfants qui nous devons toujours révérence. Les enfants de notre papa Bouchab, les enfants de notre papa Kabila. Nous voulons être heureux. Mais nous voulons qu'il achève ce qu'il a pu commencer. C'est même la raison pour laquelle je n'ai pas postulé. Parce qu'on ah, vous n'avez pas postulé. Je ne peux pas le faire. Vous devez postuler à la présidence, hein, c'est que je sache. Je devais le faire, mais je ne peux pas le faire quand il y a déjà quelqu'un qui le fait très bien. Donc nous les laissons consommer et très prochainement nous allons... Vous voyez en tant qu'opposant Tshisekedi ou dauphin de Tshisekedi? Non, pas dauphin. Je me vois en train d'interpréter une vision claire de quelqu'un... qui a du caractère. C'est-à-dire, nous le voyons avec vous. Vous avez été voir les Pygmées, vous avez été ici, et nous voyons comment vous faites les choses. S'il s'avère qu'un jour, vous postulez chef de l'État, je ne vais pas aussi postuler. Donc, je vois qu'il y a Sango. À ce moment-là, nous allons faire l'essentiel. Être mieux représenté à la tête du pays. S'il y a quelqu'un qui le fait, oui, le fair play, il faut vous retirer. Exactement. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour de la nation. Alors, le caractère n'est pas un don, c'est une victoire. On va terminer par ce mot. Le Congolais vous suit parce que vous n'avez pas postulé. Dialogue en gestation, un peu de concertation de part et d'autre. La campagne commence les 18. Incertain, parce que ça ne sont pas la campagne, bien qu'il y ait une mesure prise par M. Peter Kazadi. Oui, à Boya Kibatuba, Longolabilo, Konyon, Souéza, Lanzela pour la campagne, mais même Solo et Pamba. Il y a campagne, ils ont annoncé que les samedis, peut y avoir. Bah, concertation et salami, au moment là, Kiba Fayoulou, Tshisekedi et le reste, bah, Kendaki, Attaque, Katoum, Biazalakite, Moukou aussi n'était pas là. Mais. Ndeko Kadima à Kozonga, certainement il y a eu des recommandations, des questions, il faut réagir autour de ça. Maintenant ça devient mystérieux, il y aura élection ou pas, la campagne débute vraiment ce samedi où il y aura report, on le saura je pense dans 48 heures ou 24 heures, on sera fixé par rapport à la chose. Mais quelle est votre lecture par rapport à ce cadre de concertation? Oui, je crois qu'un homme qui a les caractères n'a pas des réactions épidermiques ou encore n'est pas émotionnel, il est rationnel. Quel que soit ce que la CENI va proposer, nous demandons aux candidats, s'ils sont, n'est-ce pas, dignes d'être élus par le peuple, ils n'ont qu'à se calmer, faire montre des bons leaders, okay, et non pas créer du désordre, premièrement. Mais élection, il y aura, parce que c'est le seul moyen pour que le chef de l'État puisse légitimer, n'est-ce pas, son pouvoir. Vous avez cité Mukwege. Mukwege a des problèmes sérieux avec l'Église, ce qui vient nous ramener une spiritualité sombre. S'il y a quelqu'un qui ne va pas passer au nom de Jésus, c'est celui-là. D'ailleurs, nous allons demander, dès que le chef de l'État passe, qu'on essaie un peu de revoir avec notre constitution. Des personnes qui viennent, j'ai échangé avec un ami que j'aime bien, pour qui j'ai de l'estime encore, notre politique. Okay? Nous devons avoir une autorité de régulation.
Ce n'est pas au nom de la politique que quelqu'un se présente, il tient, il diffame l'autre, il insulte l'autre, il dit tout ce qui lui passe par la tête parce qu'il s'agit de la politique. Non, il doit y avoir une autorité. Quand quelqu'un se présente dans ce monde-là, et il touche à l'éducation des enfants, et bien, il est soit radié, soit je ne sais pas. Parce que quelqu'un ne peut pas s'amener dans cette vie, dire non, non, on doit se débrouiller d'histoire des homosexuels, aux gens, et nous les laissons tranquilles et nous parlons de lui comme candidat chef de l'État. C'est ridicule. Donc lui, il faut l'oublier parce que Dieu l'a déjà banni. Très bien. Allez, votre dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, ce n'est pas le tout dernier parce que je reviendrai très prochainement. Si Dieu pour nous puissions parler du livre sérieusement. Mmh. Là, c'est juste si dès que là, le livre sera dès déjà que publié, je crois voilà. Que vous serez invité. Nous restons disponibles. À Hilton, oh ouais. Où nous allons partager un verre autour oh du ouais. Livre et en parler profondément. Mmh. Mais je souhaite toute la bénédiction possible à notre nation que nous aimons. Et longue vie à notre chef de l'État, longue vie aux candidats. Mmh. Je crois que Dieu soutienne ces candidats de bonne foi, car le peuple en a besoin. Le peuple a besoin du changement. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que Maître Robert Wadibanga est pasteur également à Char de l'Église. Merci d'avoir été des nôtres. Il a analysé sur l'actualité politique. Il a parlé de son ouvrage qui sera publié dans un avenir très proche, La force du caractère. Merci. Alors, je vais faire une petite mise au point. On va juste prendre une transition. On revient. Nazalagina Onatra, je voudrais faire une petite mise au point, bien que l'intégralité vous sera diffusée peut-être à 16h, sauf imprévu, mais je voudrais quand même aujourd'hui faire une petite mise au point de 3, 4, 5 minutes avec des images, et je vais revenir aussi avec cet élément de Kanyamaka CC. Ce n'était pas Kanyamaka CC, c'était quand même à Miba Volaille, en Mbujimayi. Vous allez suivre ça. Une petite mise au point, question d'essayer de clairer l'opinion par rapport à toutes les précisions prises par les politiques. À l'image, une petite transition. On se retrouve après. Du phénomène Koulounoué. Malgré les multiples critiques au départ par les ONG des droits de l'homme suite au transfert des jeunes délinquants communément appelés Koulouna pour leur rééducation à Kanyamaka CC, aujourd'hui, cette option semble donner de résultats escomptés dans la mesure où il a permis au gouvernement de trouver une solution à ces phénomènes qui ne cessent de gangréner la société congolaise en réinsérant ces derniers dans la communauté et en faisant d'eux des fonctionnaires de l'État dans différents domaines et secteurs de la vie nationale avec un salaire chaque fin du mois. Lors de son séjour dans la province du Kassai Oriental, le journaliste d'investigation et patron du groupe de presse Bosolo, Israël Mutombo, a décidé de se rendre au Kamiba Volaille, situé dans la commune de Kanchi en Mbujimayi, considéré comme le quartier général des ex-Kuluna, devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation. À son arrivée, il a été accueilli par le major Soutini Mavambo, commandant du bataillon. À cet effet, Israël Mutombo a pris langue avec quelques-uns parmi eux qui ont salué leur réintégration dans la société à travers les services nationaux. Les lots aux années 50 à Soukinshasa, les tous à Bosigo. Les Nazabou, les années 50 à Kinshasa, les années 50 à Salam Sala. Salam Sala. Le goût à Yosabou, la moisi Naban. Awa. La zone à moisi Nazim. Awa. Awa. Au Lingi Moisiga, Awa. Awa Nambujimai. Oui. Vous avez foutu l'andak ou vous avez un anon? Vous avez foutu l'andak. Ok, grâce à Mbongo, on a eu ce permettre et vous avez un anon. La Kinshasa, vous avez un moisi? Oui, je suis moi. Est-ce que vous avez un contact avec vos parents? Contact, c'est ça. Vous avez un contact? Oui. Vous avez vivant, vous photo un photo avec vos parents? Tous. Une formation qui produit, qui produit, qui produit, qui produit, qui tomates, la pomme de terre. Mais non, vous avez un voilà, tout produit, nous, il y a du bousso. Formation agricole. Après tout ça, la professionnalisation, la bousso. On a un menuisier. Ok. Nous avons profité à Ménusiri. Ah ouais. Nous avons profité à Ménusiri. Nous avons profité à Ménusiri. Nous avons profité à Ménusiri pendant 3 à 4 mois. Tous les ici, nous avons profité à Ménusiri. Nous avons profité à Ménusiri. Nous avons profité à Ménusiri. Nous avons profité à la construction. Parce que nous avons profité à la bâtiment de la reconstruction. Nous avons profité à Ménusiri. Nous avons profité à Ménusiri. La vie est à Ménusiri. Nous avons profité à c'est ça, vraiment, les ténèbres. Réalité, la vie, la vie, au président, c'est le qui la vie, à l'accès, la vie, nous, là, chemin, à venir, la vie. Pour dire, on a vu, on est tous, on a vu, 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 on a vu,
nous avons encore touché mon thème à mon gondi, à telle que façon, nous avons un nous se comporte à ca, bâti comme on a. Un sou dans moi, le bazar, on y a eu qu'il y a un temps, bah, ouais, bah, aux ongles. Calaté, bah, aux ongles. Bah, quel combien? Bah, quel combien? Bon, bah, quel belé. Bah, quel belé. Au côté en contact avec ma famille? Oui, déjà, tu commences à avoir un pénalty, là, quand on m'a manqué ce qui va foutre. Ah, aux autres, il y a là-bas, on peut moins le logo. Donc, pour l'on voit place, bah, quand on a la vie à ma belle à Kala. Les lots bongwani, au commis paie à mesure, il y a routine de la paix famille, na yotata, non, 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 moi, il y a le chaque fin du mois, il y a vraiment quelque chose pour nos parents. Koulou na bâtisseur, azobik salibota lelo. Koulou na sote, bâtisseur de la nation. Bino bo routine à l'ikambouana. Est-ce que vous m'avez dit que logique, moutou nyonso, il faut que la moussala, mais ne serait-ce que ma notion à service militaire. Vous avez dit que c'est normal? Ils appellent normal pour un service national, bako rédikeyo. Donc, bah, quand je suis venu à Donanzela, si vous avez dit que vous avez vu, en tout cas, un service pénal obligatoire au quotidien, au pays, au Donanzela, à Malam. Na Kinshasa, vous avez dit la commune? Vous avez dit la Mbinza. Mbinza, nin? Mimosa. Vous avez dit que vous avez 2021? Oui. Bah, quand vous avez dit que vous avez dit commissariat, vous avez dit vous avez dit que 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 toujours à traitement, tout ça n'a pas. Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Penseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalate. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix. Et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.